La semaine prochaine, j'aimerais bien vous présenter quelqu'un. Moi, oh, c'est le tof. Je demandais si t'avais pas honte de nous. Mais non, c'est pas ça. Je voulais juste être sûr que ça soit le bon. Ouais, ça se passerait mal. Clara m'a dit que ses parents étaient très ouverts. Eh ben, ils vont vite se refermer, crois-moi. Clara, il t'envoie des fleurs. Il est de chez nous. Comment ça, de chez nous? Merci, monsieur. Alors, il est comment? Papa! Arabe. Mais jour du ramadan, frangin, t'avais oublié? C'était racine, ses origines. Tu connais sa famille? Oui, très bien. Sa mère est adorable. Moi, je me sens pas bien. C'est le monde à l'envers, là. C'est toi qui me suis fait jeter, c'est toi qui fais la gueule. On va Israël. Israël. Ensuite, ils t'ont pas jeté. Enfin, ils m'ont pas fait une standing ovation non plus, Clara. Ça correspond pas du tout à ce que nous attendions. C'est correspond à Clara, c'est le principal. Non, il faut pas lui correspondre. Maman, elle s'appelle Clara, elle est juive, je l'aime. C'est vraiment sérieux entre vous? Je suis enceinte. Toi, tu as intérêt à me ramener un musulman. C'est quoi cette mezouza, là? Comment on a dit pas de religion ici? Là, tu vois, tu confonds religion et tradition. Faut qu'on le parle un peu. Non, je fais le ramadan, là. Tu fais le ramadan, toi, c'est nouveau? Ouais, c'est nouveau. Tu vois, t'es une mauvaise langue. Parce qu'il s'est excusé. Bon, vous inquiétez pas, j'ai mes torts, moi aussi. Dans un couple, quand il y a deux religions, il y en a un qui doit céder. Vous êtes d'accord? Hein? Tiens, c'est dingue, vous rendez tout à vous. Qui, vous, les juifs, tu veux dire? Où il est écrit qu'une juive ne peut aimer un musulman? Mon fils, il s'appellera Adelkin, comme mon père, un point, c'est d'accord, tout. D'accord, c'est quoi la prochaine étape? Je porte le voile? Oui, c'est pas qu'il y a une perruque. Le seul vrai problème, c'est pas les parents, c'est toi. T'as peur à toi. Smaël, si on te demande comment ça va, tu réponds pas. Alhamdoulilah, t'es beau.